bien fragile. Oh, ça va, je suis pas si maladroit que ça. Vraiment mon petit déj préféré. Salut Liv, salut Andy. Salut Mike. Alors, prêt pour ton exposé de physique? Carrément. Je vais vous présenter ce sur quoi repose la physique fondamentale, le boson de Higgs. Ça va être incroyable. Ça arrive à tout le monde de faire des boulettes. Enfin, sauf à moi, évidemment. Je vais tellement avoir que j'ai jamais rien fait tomber. Mais bon, fais bien attention. Tout le monde n'est pas aussi habile que moi. Une skateboard. Hey, celui-là n'est pas... cassé. Wow, pas de bol. Mais c'est pas vrai. Je ne connais rien en physique, mais pour ce qui est de la cuisine fondamentale, je peux vous dire que ce hot-dog est un chef-d'œuvre. Tout ce qui lui manque, c'est une petite touche de... moutarde. Mon exposé. Oups, désolé, j'ai pas fait exprès. Bah oui, j'espère bien. T'inquiète, je vais le nettoyer. Non, c'est bon, je m'en charge. Allez, laisse-moi rattraper le coup. C'est bon, je te dis. Si, j'insiste. Non, t'en as déjà assez. T'en as une copie? Non, mais t'es vraiment un boulet aujourd'hui. L'exposé va devoir attendre. On a un fantôme à capturer. Il nous faut nos médaillons. Vite, au casier. Andy, tout va bien? Oui, ça va, rien de cassé. Andy! Oups! Il est comme ça depuis ce matin, on dirait qu'il a deux mains gauches. Ah, ça devient franchement pénible. Mais c'est bon, Mike, ça arrive à tout le monde de faire des boulettes. Andy, ne bouge pas. Intéressant. C'est vrai que ça arrive à tout le monde, mais surtout aux victimes du fantôme farceur du jour. Voici Boulette. Celui qui porte sa marque devient aussi maladroit qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Comme toi, Andy. Donc en fait, c'est pas de ma faute. En effet, mais soyez prudent car Fury ne va pas être au top de ses capacités. Mieux vaut que Globo vous accompagne. Prêt à envoyer du bout, les amis? C'est parti. Fantôme à 400 mètres, droit devant. Pas une seconde à perdre, on fonce. Oups, désolé. Tu sais quoi, Fury? Tu ferais mieux de rester loin derrière.
Oh, allez! On te retrouve dès qu'on a capturé le fantôme, d'accord? À tout à l'heure, Fury. Mais je suis sain et sauf. Maladroit, mais je reste quand même un héros. Je te parie que je peux me le faire. Et moi, je parie qu'il y arrivera pas. En effet. Pouvoir flex. Oh non. Oups. Non mais Fury, c'est pas possible, tu le fais exprès. T'as pas saisi le reste en dehors de tout ça. Alors maintenant, tu t'écartes et tu me laisses gérer. Attention. Fury. Oh. Mode interception. Oh, mauvaise manip. Pouvoir fractal. Oh non. Globo, je suis vraiment désolé. Avez-vous essayé de m'éteindre et de me redémarrer? Marrer. Par contre, t'es au courant que c'est le fantôme qu'il faut viser, hein? Désolé, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai pas... Tu l'as pas fait exprès. T'inquiète, je vois très bien ce que tu veux dire. Je suis un boulet depuis ce matin. On est tous des boulets. Et maintenant, on n'arrivera jamais à le boucaper. Oh. Mais oui. Puisqu'on rate toutes les attaques qu'on tente contre le fantôme, il suffit qu'on change notre objectif et qu'on inverse le processus. Quoi? Changement de tactique. N'essayez pas de toucher le fantôme. Essayez de le rater. T'es sûr de ton coup? Sûr et certain. D'accord. Je commence en lui servant une rafale flex. Je crois qu'on peut pas faire plus raté. À mon tour d'essayer. Flèche pétrole. Comment on a fait ça? J'en sais rien, mais on l'a touché. Et c'est en continuant de ne pas essayer qu'on arrivera à le boucaper. Montrons-lui de quoi sont capables des boulets. Pouvoir fractal. Pouvoir fractal pétrole. Ça n'a pas vraiment l'air de fonctionner. Oh non, ça risque de piquer. Fury, tu n'as rien? Non, ça va. Là, ça va être compliqué de te rater. Yes, fractal.
serais pas arrivé. Avec autant de ratés, on aurait autant de succès. Ouais, on a franchement assuré. Bouya! Bravo les enfants. Qu'est-ce qui arrive à Globou? Bonjour. Je crois que je l'ai un peu amoché, mais je l'ai pas fait exprès.